Salut à tous, donc petite vidéo gaming pour changer, histoire de faire joujou. Parce qu'en fait là j'ai acheté un Oculus Quest 2 il y a bah, quand c'est sorti et donc on joue avec moi, avec Jérém, avec PCWeek à Contractors. Et Contractors c'est un FPS et un FPS en fait en VR. Donc ça change absolument tout par rapport à un FPS 2D parce que votre arme vous l'avez là, vous pouvez la choper là. Vous pouvez éditer en gros, prendre des parties comme ceci, vérifier combien vous avez de munitions. Voilà. Pour recharger, vous faites ça, 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 c'est parti. Clac, je vais changer d'œil, je ne sais pas sur quel œil la vidéo s'enregistre. Et après, bah, c'est tout con, hein. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez tirer, vous pouvez activer le tir, enfin plusieurs tirs, vous pouvez activer le zoomer. Voilà, je vais changer d'œil au cas où. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est vraiment différent, on est vraiment dans le monde. Ce qui veut dire, si j'ai besoin de tirer comme ceci, je peux, si j'ai besoin de tirer comme ceci, je peux, si j'ai besoin de me placer comme cela, je peux, ou même comme cela, si je veux faire ça, ou même prendre un... Hop là. Prendre... Merde, je fais tomber le canif. Hop, viens là, toi. Voilà. Si je veux prendre un canif d'un côté et une arme de l'autre, je peux, quoi. Ou même ramasser une arme de quelqu'un et la jouer comme ceci, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Et la différence avec les jeux 2D, c'est vraiment que là, on est dans le monde. Ce qui veut dire, c'est que on a vraiment l'effet de grandeur. On voit les bâtiments, ils sont grands, ils sont à hauteur d'homme. On se dit, putain, si on tombe de là, ça fout les boules, quoi. On peut regarder en bas, on peut regarder comme ça. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Donc le truc par rapport à d'autres jeux, enfin je pense que c'est la prémisse en fait des jeux VR dans le sens où on a des possibilités qu'on n'a pas sur un jeu normal. Ça veut dire qu'on pourrait très bien prendre ça comme sur Half-Life Alyx, prendre ça et le balancer sur quelqu'un, un peu sur ce comme ils ont fait sur Medal of Honor qui va sortir. Donc je pense que je referai une vidéo sur Medal of Honor quand il sortira, mais on a vraiment des possibilités franchement super sympa quoi. Voilà, c'est vraiment vraiment cool quoi. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais lancer un petit jeu rapide. Donc je vais faire un truc contre des bots. On va changer de carte. Donc là par exemple j'ai tellement de trucs que moi je vois pas du tout quelle carte je peux prendre. On va prendre celle-ci, je pense que c'est une connue. Et on va faire Créate. Voilà. Donc là on va arriver dans le game. Je vais baisser. Ah tiens, je suis déjà en train de me faire tirer dessus. Voilà, je vais. Il est où lui? Je sais pas du tout où il était. Ah, tais-toi. Donc voilà, vous voyez, on est vraiment dans le monde. Ça peut être super rapide comme ça peut être super lent. On peut vraiment s'accroupir. On peut hop là, se déplacer. La jouer comme ceci. Voilà. Je fais ch Ah, je me suis fait tuer. Vous voyez, c'est aussi relativement rapide. Et je vais encore baisser le son parce que c'est vraiment encore trop fort. Tiens, il y a un gars là-bas. Attends. Ah, hop là. Voilà. Hop, je peux prendre des munitions ici. Je prends la munition, je la mets. Hop, casse-toi, toi. Je recharge. Et je me déplace. Donc, voilà. Voilà. Mon PC a vraiment du mal. Les bots sont vraiment mauvais. Hop, je peux tourner sur moi-même. Je peux vérifier où sont les ennemis. Comme ceci. Oups là, là il y a un gars. Vous voyez, je peux venir me placer là, vérifier. Il est là. Ah bien joué, toi t'es mort. Oula. On va essayer un truc. Hop. Ah, coup de couteau. Il m'a tué en même temps. Donc c'est assez difficile dans le sens où on doit gérer son arme, alors que dans un FPS on n'a pas besoin de gérer son arme. Il y a aussi le fait que personnellement je suis du genre à foncer alors qu'il... Voilà, casse-toi, je recharge. Quand on a l'habitude on recharge sans vraiment regarder son arme, mais c'est vraiment pas facile. Hop là, toi t'es avec moi. Il y a un gars, on peut sprinter, on peut se cacher, on peut aller contourner les gars. Hop, voilà, bye bye. Non, franchement, c'est vraiment fun, on est vraiment, vraiment dedans. Tiens, on va aller reprendre des munitions. Je me débarrasse de ça, je prends une munition, je la joue comme ça. Voilà. Donc là, c'est contre des bots, hein. Les bots sont vraiment mauvais. Hein.
contre des adversaires humains, c'est quand même bien différent, sachant qu'il y en a qui planquent, qu'il y en a qui sont intelligents. J'ai vu un gars me faire un truc. Hop là, il y en a. Oh. J'ai le cul. J'ai vu un gars me faire un clac, clac, comme ça, pour éviter les balles. C'était franchement ouf. J'étais, waouh, bien joué mon gars quoi. En gros, tu peux la jouer vraiment cool, pas s'embêter, ou la jouer où tu t'abaisses, t'avances, tu cours, puis t'es là, tu fais attention. Oh, je t'ai pas tué. Ah. T'es mouru. Là, je vais me planquer. Clac, je recharge. Ouh. Ah, ça se voit vraiment que ce sont. Ah, il m'a tué. Ça va vraiment que ce sont des bots. Hein. Non, franchement, c'est vraiment puissant. On est vraiment dedans. Moi, personnellement, je me fais vraiment plaisir. Après, ce jeu-là, il a certaines limites dans le sens où c'est une petite équipe. Oh là, qui c'est qui me tire dessus? C'est une petite équipe et ils ont un peu copié Call of Duty, mais à un certain point, quoi. Il y a des choses qui n'ont pas encore été prises en compte, qui serait bien d'être pris en compte. Hop, attends. Mais je pense que ça va venir. Donc avec Medal of Honor, franchement, logiquement, ça devrait être bien mieux. Qui c'est qui? Tiens, il y a un gars là. Ah, je vais me faire niquer. Ah. Ah, moi je dois. Voilà. Vous voyez, l'avantage aussi, c'est on est vraiment, vraiment, vraiment dedans. On avance comme ça, on se tourne, hop. Ah, ah, donc là, j'ai vraiment du mal. Hop, il y a peut-être un peu beaucoup de bottes. Hop, allez, je me casse. Ah, un truc, c'est qu'on peut pas vraiment se. Oula, ah, il y a une petite grille là qui gêne. C'est qu'on peut pas. Ah! Ils étaient quatre. Contrairement à la souris avec les boutons, etc., là, on est vraiment. On peut pas le recharger en même temps qu'on fait quelque chose, ou on peut pas. Enfin, nos mains sont prises, quoi. Mais vous voyez, on est vraiment. On est vraiment dedans, c'est vraiment top, quoi. Après, le jeu a quelques défauts, quelques bugs qui font que c'est pas tout le temps parfait. Mais franchement, c'est top. Ah, bien joué, mon gars. Ah, ah, là, j'ai un ralentissement, vous voyez. Je sais pas si on le voit, mais mon écran, il a du mal. Il tient plus. Le PC, faut que je le change. C'est une horreur. Donc, j'attends. Et je pense que c'est mort. Bon, on va s'arrêter là pour la vidéo. Enfin, ouais, vous voyez, c'est plutôt sympathique. Voilà. Bon allez, 19 c'est pas mal, 19-5, même contre des bots, moi bon, non c'est nul. Ok.